Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Amram Yona Ben Chana, Nissim Ben Aouda, Sarah Bat Chana Rachel, ainsi que l'Irfouat Ariakiva Ben Shachar Betor Shachol Israël. Nous étudions Maseret Avot, Perek Bet Mishnah Aleph, Rabbi Omer Ezohi Derech Yeshara Sheyavor Lo Ha'Adam, Kol Shei Tif'eret Le'oseha, Vetif'eret Lo Mina Adam, Veve Zahir Bemizu Akala Kebachamura. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. והסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה. דע, מה למעלה ממך? עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. רבי אומר, on continue avec les descendants de Hillel Azaken, qui étaient toujours les Nessi'im. On a évoqué Rabban Gamliel, Rabban Shimon Ben Gamliel, et puis on découvre à présent Rabbi, qui était le fils de, je ne sais plus lequel, de Rabban Gamliel, ou de Rabban Shimon Ben Gamliel plutôt, je ne sais plus. En tout cas, Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, le septième génération de Hillel. « Ezoï derech yeshara sheyavor lo ha'adam » Il nous dit, quel est le juste chemin, le droit chemin, chez Yavor Loha Adam, qu'un homme devra se choisir. Chez Yavor Menachon Livror, choisir, trier, qui devra se frayer, se choisir. Parmi toutes les courants de pensée, dans la manière de, pas courant de penser forcément, mais toutes les manières de se conduire, quelle est la bonne conduite, la bonne directive à toujours suivre? Kol Shei Tif Eret Leosea, Vetif Eret Lo Mina Adam. Tif Eret, c'est la splendeur. Tout ce qui est splendide pour celui qui l'accomplit est splendide aux yeux des autres hommes. Soit, lorsque j'ai la possibilité, il y a plusieurs midotes par exemple, on va prendre le cas entre être quelqu'un de généreux ou quelqu'un qui retient tout, qui garde tout pour lui. D'accord? Chaque mida, elle a son avantage et son inconvénient. Lorsqu'on est très généreux, alors on fait plaisir à tout le monde, mais d'un autre côté, on garde rien pour soi. Lorsqu'on est plutôt... pas radin, c'est pas le bon mot, mais plutôt on se soucie plus pour son propre avenir plutôt que se soucier pour les autres. Alors, on s'assure effectivement son avenir, mais d'un autre côté, les gens nous apprécient moins. Alors, quelle est la bonne mesure? C'est l'exemple rapporté dans le Barthénois. Quel est le bon chemin à choisir? Alors, sache, occupe-toi d'avoir l'équilibre pour pouvoir être splendide aux yeux des hommes, mais aussi splendide pour toi-même. Soit, donne un petit peu, mais garde aussi pour toi. Ne sois pas trop pazran, ne sois pas trop dépensier, mais ne sois pas non plus trop avare, quoi. Et ainsi de suite aussi, de manière générale, chaque fois que tu veux savoir quelle est la bonne mesure, par exemple, je sais pas, moi, je veux étudier la Torah en pleine nuit, j'ai envie de jouer à Rav Eliashiv qui se lève en pleine nuit à 2h du matin, je me mets à étudier en chantonnant ma Gemara. Alors c'est merveilleux, j'étudie la Torah en pleine nuit. D'accord, mais peut-être que je dérange les voisins aussi. Alors dans ce cas-là, je vais être Tif Eret Leosea, mais pas Tif Eret Mina Adam. Je vais être splendide à mes propres yeux, même aux yeux d'Hachem, peut-être qu'il va apprécier éventuellement, si dans la mesure. Mais je ne vais pas être apprécié par les hommes. Ce n'est pas le bon chemin. Et inversement, je vais dire, dans ce cas-là, il faut être très humaniste. Donc, à partir de 10h30, il n'y a plus de bruit du tout chez moi, je ne tourne plus de cours de Mishnayot, et puis... comme ça, je ne dérange pas les voisins. Ouais, bon, d'accord, c'est bien, tu fais plaisir aux humains, mais tu es plus splendide pour toi, tu n'as plus de splendeur pour toi. Trouve-toi le juste milieu, l'équilibre, d'accord? Ce que le Rambam appelle le Shvil Azahav, le chemin d'or. Ni trop d'un côté, ni trop de l'autre. Tu fais plaisir à tout le monde, en fait, d'accord? Ça, c'est Tif Eret Leosea. Splendeur pour celui qui accomplit, et splendeur aux yeux des autres hommes. Veve, autre indirectif de Rabbi. Veve, Zahir, Be Mitzvah, Kala, Kebachamura. Veille à accomplir scrupuleusement, parfaitement, avec Zehirut, avec précision, attention. Be Mitzvah, Kala, une Mitzvah qui peut te paraître simple, Kebachamura, comme une Mitzvah très grande. Il y a plein de petites Mitzvot qu'on a l'occasion d'accomplir tous les jours, et des Mitzvot qu'on a l'occasion d'accomplir parfois beaucoup plus occasionnellement. Lorsque c'est Hanouka, on achète une bonne huile d'olive pour bien allumer la Hanoukia. Soukot, en général, on achète un beau etrog, un beau lulav. Et il y a des petites mitzvot qu'on accomplit tous les jours. Le titit qu'on porte tous les jours. On va s'acheter un tricot déjà tout fait avec. Alors là, non, bah, sache qu'accomplis chaque mitzvah avec zehirut, avec minutie.
Pourquoi? Shen atayodea matan sraran shel mitzvot. La Torah ne nous a pas dévoilé le mérite que l'on obtiendra pour chaque mitzvah. Si ça se trouve, tu vas arriver au ciel et tu vas réaliser que la petite mitzvah que tu faisais tous les jours, elle te va te rapporter un mérite beaucoup plus grand que celle que tu pensais qui était beaucoup plus forte. Kriat Shema. Qui ne fait pas la tefila tous les jours, Baruch Hashem? Le matin et le soir, on lit Kriat Shema. Cette petite mitzvah, là, on lit comme ça, on met la main sur les yeux, Shema Israel Hashem. Tu sais ce que c'est de recevoir le Yichud Hashem, c'est la mitzvah, ça se trouve, la plus importante. Quand on va arriver au ciel, on va le accomplir là, avec minutie, avec scrupuleusement, veille à regarder les heures, le Magan Avraham, les heures du matin, les heures de lecture du soir, aller lire comme il faut, prononcer chaque mot. Sois zahir dans toutes les mitzvahs, parce que tu ne connais pas le mérite de toutes les mitzvahs. Celle que tu pouvais penser assez bénigne, en fait, c'est peut-être celle qui va te rapporter le plus là-haut. À la différence des Averot, où pour les Averot, on connaît les importances d'Averot. Parce que si la Torah, elle m'a rendu Chayav Skila pour un Chilul Shabbat, tandis qu'elle m'a rendu un autre Chiyuv, Renek ou Malkout pour quelque chose, donc ça signifie qu'il y a une hiérarchie entre les Mitzvot, que cette Mitzvot est plus grave que celle-ci. D'accord ? Ve'eve mechashev hevsed mitzvah keneged schara, et heve mechashev, soit calculeur, calcule constamment, Hefsed mitzvah, la perte occasionnée à cause d'une mitzvah, keneged schara, en la comparant avec le salaire qu'elle va te rapporter. Ou schara vera keneged hefseda. Et le salaire d'une avera par rapport à ce qu'elle va t'occasionner comme perte. Cas classique, tu as l'occasion de partir prier. Mincha, en plein après-midi, en hiver, c'est assez tôt, on n'a pas le temps, il faut fermer le magasin pendant un quart d'heure. Un quart d'heure, peut-être qu'il va y avoir un client. Et que tu aurais pu gagner 100 shekels, francs, euros. C'est vrai, c'est une perte conséquente. Eh bien, habitue-toi sans arrêt à te dire, bon, c'est vrai, il y a ici une certaine perte, mais qu'est-ce que je vais gagner par rapport à ça de l'autre côté? Eh bien, soit calcule constamment la perte occasionnée par la mitzvah par rapport au mérite qu'elle va te rapporter. C'est une directive, c'est quelque chose qu'il faut sans arrêt se remémorer et le refaire le calcul pour essayer de palper beaucoup plus. On palpe ce que nos sens naturellement perçoivent. Nos sens ne perçoivent pas tout le côté spirituel. Ils perçoivent le côté concret. L'argent, on le sent. Le plaisir, on le sent. Pareil avec Sraa Vera. Ah, ça fait que 5 heures que tu as mangé la viande et tu as déjà envie de manger un bon petit chocolat. On sait palper le bon goût du chocolat au lait agréable qu'on a envie de se manger. On le sent naturellement. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le Sraa Vera. Ouais, ce que tu vas gagner, entre guillemets, de ta Avera, que tu vas te faire un petit plaisir. Mais calcule par rapport au FCDA ce que tu vas perdre. Qu'à cause de ça, tu transgresses le minag d'attendre 6 heures, au moins 5 heures et demie, selon les avis, selon... D'accord, mais au moins, en tout cas... D'accord, on a compris le principe. Eve mechashev efsed mitzvah keneged sfara, osra avera keneged efseda. Et à part ça, Rabbi Yehuda Hanassi nous donne un autre conseil encore. Vistakel bishlosha dvarim ve'i ataba lide avera. Regarde, contemple, fixe trois choses, regarde trois choses, ve'i ataba lide avera, et tu ne viendras pas à faire des averot, des transgressions. Da malemala mimcha, sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Ain roa, un œil qui te voit, ve'ozen shoma'at, une oreille qui t'entend, ve'chol ma'asecha ba'sefer nichtavim, et toutes tes actions sont tous inscrits dans un livre. Rabbi nous dit, sache, un autre conseil encore, lorsque tu sens le Yetzera, justement, on va parler par exemple du petit bout de chocolat, eh bien, istakel bishlosha dvarim, habitue-toi à regarder, à considérer trois choses. Donc, tout ce que tu vas accomplir, quand tu es tenté à faire une avera, veyata balid avera, et naturellement, tu ne viendras plus à faire une avera. Da, malemala mimcha, sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Ça ne fait pas partie de trois choses. Le Mefarshim explique qu'en fait, il nous a dit de regarder trois choses. Regarder, c'était un regard spirituel, de l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit, sache, veille à raviver constamment cette connaissance à l'intérieur de toi. Sache ce qu'il y a au-dessus de toi, qu'il y a quelque chose au-dessus de toi, quelque chose qui te regarde, quelque chose qui entend ce que tu vas dire. Ça implique, à une roi, si tu veux faire une mauvaise action, Rosen Shomat, si tu veux dire quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui n'est pas juste tromper ton prochain, peu importe. Alors, réalise qu'en ce moment, on te voit, comme il y avait la fameuse histoire avec le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, une fois, il était avec son Eglon, celui qui dirigeait sa calèche, j'ai pas le mot, le, son,
bref, son carrossier. Il avait son carrossier, un juif un peu simple. Et une fois, il se retrouvait sur la route, et puis il a vu là, qu'il y avait du foin dans le champ. Il a arrêté la carrosse, et il a commencé à descendre discrètement, regarder à droite à gauche pour partir chercher du foin et en chipper un petit peu. Le Khafisraïm, quand il a vu la scène, il a dit « On te voit, on te voit, on te voit !» Et l'autre a dit « Comment il est vite reparti ?» Il est reparti sur son cheval, il a fait comme s'il ne rien n'était, il a regardé, et puis finalement il est redescendu. Et de nouveau, le Khafisraïm, il a refait le coup encore une fois « On te voit, on te voit !» L'autre a dit « Mais qui c'est qui me voit ?» Qui t'a vu qui me voit ?» Il a dit « On te voit, on te voit !»« Il y a un œil qui te voit, il y a une oreille qui t'entend, qu'est-ce que tu crois ?»« Toutes tes actions, elles sont toutes inscrites dans le livre. » Le livre, le fameux livre, Sifrei Chaim Umetim, que l'on compare, le fait que toutes nos actions, elles influencent dans le ciel, elles sont par parabole, on les image au fait qu'on les inscrit dans un livre, le fameux livre qui est ensuite ouvert à Rosh Hashanah et Yom Kippour, où est-ce qu'on va juger les hommes et les inscrire et tout ça. Alors c'est justement, sache que tout ce que tu vas faire, tes bonnes actions comme tes mauvaises actions, elles sont toutes retenues, tu redonneras compte, rien ne sera oublié, parce qu'il y aura toujours l'influence de ton acte qui laissera son empreinte sur terre. Et donc, veille à ne pas faire aucune avéra. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.